Comme vous le voyez, on a commandé le beau temps et on a été gâtés. Je pense que vous allez pouvoir profiter avec la chaleur de cet événement. Donc, vous êtes ici donc, sur l'ancien forail du village de Maillargues, d'où vont s'élancer aujourd'hui 8 troupeaux. Ils vont s'élancer donc en direction du bourg d'Allange et par la suite en direction des plateaux d'altitude de leur estive, d'où le nom Fête de l'Estive. Voilà. Donc un premier troupeau est arrivé, le troupeau de l'élevage Flagel de Ségur-les-Villas. Ce troupeau doit s'élancer aux alentours de 10h30. Je suis très contente parce que je suis avec tous mes amis, toute ma famille, donc c'est avant tout un grand moment de partage. Et donc je suis très contente d'être là parce que, surtout pour mes parents, pour qu'ils puissent être fiers de leur travail et de tout leur acharnement qu'ils font toute l'année, pour qu'ils soient récompensés de tous leurs efforts et qu'ils soient fiers d'être ici aujourd'hui et que ça leur donne encore la force et le courage d'avancer parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment pas facile. Donc voilà, je voudrais qu'on les encourage bien fort. Merci à tous. Merci Annelie. J'ai la joie de vivre cette bénédiction des troupeaux, cet an de l'estive, pour la 6e fois ici à Allange. Et je remercie tous les organisateurs de m'inviter à chaque fois. Merci beaucoup. Et nous allons bénir maintenant les troupeaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc la bérémont est en train de bénir les vaches, l'une après l'autre, ou du moins la majorité. Donc il faut savoir que la bénédiction des troupeaux est une tradition de l'estive. Pas mal. Hein. On n'aurait jamais cru arriver au 25e anniversaire. Hein. Ça, on ne pensait pas qu'on y arriverait. Parce que la première année, quand on a dit on fait la fête de l'estive, les gens nous ont dit oulala, vous verrez, ça ne marchera pas, les gens ne viendront pas. Et puis en fin de compte, ils sont venus, puisque la première année, on attendait 2000 personnes, on en a eu 5000. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est le plus grand souvenir que j'ai de toute ma vie. Parce que cette fête de l'estive, là, cette année-là, les anciens s'étaient tous mis le long de la route d'Allange. Il y avait les grands-pères avec leurs petits-enfants, les grands-mères avec leurs petits-enfants, ils les tenaient par la main. Et le grand-père disait aux petits, tu sais ton pépé, hein, quand il avait ton âge, il a remonté la route là, pour monter à la montagne avec les vaches. Alors le petit le regardait, mais était tout admiratif quoi, de ce grand-père. Hein. Et tous, ils attendaient ces vaches. Mais ils les attendaient comme on attend le Messie, hein. Pareil. Et tout d'un coup, on a entendu les cloches, on a vu les cornes qui étaient pointées vers le ciel, et on a vu les larmes couler. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, eh bien, tu vois, tu n'as peut-être pas tout bien fait, mais ça, tu l'as fait. Et tu leur as fait plaisir. Et ça, c'est le plus grand souvenir. C'est bien la salaire qui est la reine de l'estive.
crois que j'ai jamais manqué et j'en suis fier. Et j'adore cette fête. Très emblématique de notre département, du Cantal. Et en plus, vous avez le beau temps. Là, j'y suis pour rien. Enfin, c'est un élément important. C'est une très belle manifestation qui plonge ses racines dans l'histoire culturelle, économique, sociale du Césalier. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle réussit. Ce n'est pas une fête qui arrive plaquée sur un territoire. Elle est en phase avec le territoire. C'est une très belle manifestation qui fait une formidable promotion d'Allanche et du Césalier et qui également est une manifestation à caractère économique, dont évidemment aujourd'hui le rayonnement dépasse largement les limites de notre département et même de la région. C'est une très très belle manifestation et franchement je pense qu'on peut remercier tous ceux qui s'y investissent. C'est du bénévolat, ne l'oublions jamais, qui depuis des années sont là, présents, contribuent à la réussite de cette belle fête et à sa pérennisation. Oui, je suis très heureux d'être à leur côté aujourd'hui. C'est le propriétaire du champion, mais c'est pas le champion. Venant un peu de tous les horizons. Fidèle à l'estive depuis 22 ans, 22e année. Et je trouve qu'il y a beaucoup de monde de plus en plus. Et surtout. Une très belle motivation des éleveurs, vu les soucis qu'ils ont, on n'en part pas, mais je trouve qu'ils sont motivés et ils sont très durs au mal. Pierrot, t'as crevé ? Pierrot, Pierrot j'ai crevé. Pierrot, tu es fidèle avec deux superbes vœux. Oui, fidèle avec maintenant Volcan et Mondor, parce que les deux noirs, Charbon et Goudron, ils ont beaucoup d'âge, on ne les sort plus, ils restent à la maison. Ils vont vieillir en paix. Et on continue avec Volcan et Mondor, des bœufs de 6 ans, qui ont été dressés à 2 ans. Et c'est leur deuxième fête d'estive. Et ils sont là.